on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette journée du lundi 16 décembre 2019. Alors, vous m'avez demandé du changement, vous m'avez dit ok, c'est cool, t'es le Normand et tout, machin, mais on aimerait bien de temps en temps changer, et c'est vrai que moi aussi j'avais envie de changer un petit peu de temps en temps. Et donc cette fois-ci j'ai pris un tarot, j'ai pris le tarot néoclassique parce que je le trouve très très joli, c'est celui que j'ai utilisé dans le tirage des énergies que vous avez eu vendredi dernier. Et j'ai utilisé un jeu que je n'utilise que rarement parce qu'en fait je sais pas trop comment l'utiliser, du coup ça va être un petit peu la semaine test. Hein. Et puis c'est donc le jeu de Yaël Didier, le jeu du destin. Donc je vais pas utiliser le livret, je vais plutôt le faire à l'intuition. Voilà, c'est parti. Bien sûr, je ne vais prendre qu'une seule carte de tarot pour cette énergie du jour. Voilà, alors je vais pas lire les cartes renversées pour cette semaine. À chaque fois, même si elles tombent renversées, je vais les prendre droites. Je le sens comme ça. Donc là, aujourd'hui, nous avons une carte que nous avons aussi eue lors du tirage des énergies de la semaine. Et pourtant, je les ai remélangées, et même devant vous. Hein. Elle a sauté, donc nous allons la prendre. C'est la carte du battleur. La carte du battleur, pour moi, elle vous annonce que vous allez bientôt devoir faire preuve d'adaptation. Voilà. C'est souvent ça, en fait. Hein. Faire preuve d'adaptation, faire preuve de réactivité, faire preuve de créativité, prendre des initiatives dans cette veine-là, d'accord? Elle signale aussi que vous pourrez avoir à communiquer. Et du coup, elle vous demande d'avoir une bonne capacité de communiquer ce que vous pensez, ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Je vous la montre d'un peu plus près parce que ce jeu est vraiment très joli. Voilà. Ça va nous signaler cela. C'est une carte, en fait, qui nous parle avant tout de créativité, de dextérité, de prise d'initiative. Vous voyez, le battleur, c'est celui qui, dans un tarot traditionnel, est devant une table où il y a pas mal d'objets. Il a un bâton. Il a des couteaux, il a généralement une coupe, il a peut-être du bois, des choses comme ça. Il a, en fait, il a les quatre éléments. Voilà, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est-à-dire qu'il nous montre qu'il va, vous falloir en fait prendre des initiatives, avoir beaucoup de dextérité pour créer quelque chose avec ce que vous avez, d'accord? Du coup, aujourd'hui, moi, quand j'ai cette carte-là, je vais vous dire, n'ayez pas trop de scrupules à faire ce que vous avez à faire. Aujourd'hui, vous êtes dans une énergie où tout est à construire, où toutes les possibilités sont là. Donc, n'ayez aucun scrupule à faire ce que vous devez faire et à prendre ce que vous devez prendre. Voilà, ça va être ça, l'énergie du jour. C'est pas trop mal, hein. Voilà, alors on va prendre Yaël Didier. Et nous allons avoir... exaltation, la passion. Bah en fait, c'est un peu ce que je vous disais avec, avec le battleur. Hein. N'ayez pas trop de scrupules, faites ce que vous avez à faire, testez. Pensez, vous savez, c'est horrible, hein, mais aux médecins qui volaient des corps pour, dès le matin, c'est pas une image, t'aurais dû prendre autre chose. Mais ça me fait penser un peu à ça. N'ayez pas trop de scrupules à prendre ce que vous devez prendre, à faire ce que vous devez faire, parce que c'est cette énergie-là qui vous accompagne aujourd'hui. Et faites ce que vous devez faire. Si vous le sentez comme ça, faites-le comme ça. Ça peut... vous pouvez faire ces choses-là et vous tromper, d'où l'aveuglement. Mais vous pouvez aussi faire ces choses-là et en ressortir quelque chose, une exaltation, une concrétisation. Voilà, soyez comme le... l'animal, non c'est pas un tigre, un tigre ça a des rayures, donc ça doit être un puma. Soyez comme cet animal et puis voilà, vous voyez sur cette carte, on a la roulette du casino, on a le tigre, on a plein de trésors, on a aussi une espèce de dragon doré. Voilà. Moi je dis aujourd'hui tentez les choses. S'il y a des choses qui se présentent à vous, et bien en plus on a la corne un petit peu là. Ta corne, hein, bélier. Non, pas bélier, plutôt capricorne, parce qu'elle est vraiment. Ouais, peut-être bélier aussi. En tout cas, moi aujourd'hui, je vous encourage à foncer, à prendre des initiatives. Voilà.
Écoutez, j'espère que vous allez passer une belle journée, que vous allez obtenir ce que vous voulez, que vous allez avoir la force vitale et, à mon avis, aujourd'hui, voilà, restez ferme sur vos positions. Et encore, non, pas forcément restez ferme sur vos positions, plutôt soyez adaptable. J'ai envie de dire, soyez comme une anguille. Si vous avez envie d'arriver à un point A, glissez sur les obstacles. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et donc on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Et puis, c'est à 10h pour la question du lundi. Salut !